ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est sûr. L'arbitre a décidé de quel côté ça allait basculer. C'est dommage. Voilà. Donc, mais c'est le lot des... En ce moment, on est... Je trouve très mal arbitré. Ça, c'est sûr. Ça fait 3 matchs. Mais c'est le lot des petites équipes. Donc, c'est comme ça. Il fallait mettre les situations qu'on a eues en première mi-temps pour pouvoir concrétiser ce qu'on faisait de bien dans ce match-là, tout simplement. Vous parlez de quelle situation par rapport à l'arbitre ? Bah, le pénalty. Je ne l'ai pas revu, mais après, si tu le signes dans un sens, il faut aller regarder ce qui se passe de l'autre côté aussi. Voilà. Je pense que c'est... Faut que je le revoie. Faut que je le revoie. Voilà. Mais... Ouais, le mien aussi de l'autre côté. C'est... Après, moi, que tu siffles le premier, ça ne me dérange pas, mais... Voilà. À un moment donné, il faut aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté. Donc voilà. Je suis déçu pour mes joueurs parce que... Mes gamins ont été très courageux. Et le peu de cadres qu'on avait les ont encouragés, les ont menés, les ont essayé de les guider. Donc voilà, en ce moment on n'est pas trop vernis et puis on est très 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 jeune. Je pense qu'on va battre un record cette année de jeunes joueurs à lancer en Ligue 2. Donc ça amène de l'enthousiasme, ça fait aussi des grosses fautes. Voilà, c'est l'apprentissage. De ce niveau-là, il faut qu'on essaye de grandir vite, que nos cadres soient admirables d'encouragement et de persévérance. Pour quand il y aura des jours meilleurs, eh ben, faudra se souvenir d'où on était à un moment donné, tout simplement. Vous avez su, hein, l'impression sur le match, répondre coup pour coup à Nîmes. Chaque fois qu'il m'avait une occasion, vous en aviez une derrière ou avant. Je sais pas. Ça, c'est votre analyse. Il faut que je le regarde. Nous, il faut qu'on soit un peu plus juste dans notre qualité de centre, un peu plus juste dans la surface adverse pour pouvoir être compétitif dans cette division-là. Voilà. Et si on en est là, c'est qu'il nous manque pas mal de choses pour l'instant. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Devant, derrière, il faut que nos gamins grandissent vite ou qu'on les encadre mieux qu'en ce moment. Mais on est allé au bout de ce qu'on avait à donner. Voilà, c'était pas suffisant. Donc il faut qu'on s'améliore pour progresser. Voilà, tout simplement. Hein. À la différence des deux premiers matchs, là on a vu de Rodez qui était intéressante offensivement avec beaucoup d'occasions. Qu'est-ce qui a manqué pour que ça fasse mieux cette fois-ci ? Bah, de la qualité ou de l'expérience. Voilà. Après, on en a concédé aussi hein, des situations de l'autre côté. Mais je regrette. Quoi. Voilà, je pense que le pénalty est. On doit l'éviter et après on doit aussi suivre. J'ai dit à mes joueurs, c'est pas le pénalty, c'est sifflé, mais par contre, il ne peut pas y avoir que Omarsson dans notre surface, c'est pas possible. Ça, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de concentration. Et on doit progresser là-dedans. Donc voilà, on a beaucoup, 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 beaucoup d'axes où il faut qu'on progresse. Mais il reste beaucoup, 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 beaucoup de matchs, tout simplement. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut persévérer. S'améliorer et quand je vous dis quand ça sera mieux, quand on sera un peu plus en place, un peu plus sûr, eh ben, il faudra se souvenir que c'était dur à un moment donné. Voilà. Loris, c'était il doit même pas savoir où habite encore le gardien, il sait pas s'il est droitier ou gaucher. Mais tu le mets parce que t'as, voilà, je dis pas que tu inventes des postes, mais on n'a pas le temps de. Enfin, on n'a pas le temps. Faut qu'on prenne le temps
d'intégrer nos joueurs qui arrivent. Alors voilà, ils arrivent tard, mais ça c'est comme ça, c'est une politique. Donc nous travaillons, essayons de nous améliorer, et au fur et à mesure on s'améliorera.